concept du film, cette nouvelle com sur Alien, c'est de raconter l'éveil d'une déesse à la lumière solaire. On voulait symboliser complètement la transformation, parce que chez Mugler, on est toujours dans des histoires de métamorphose et de transformation. On voulait caractériser cette métamorphose via la lumière. Et on a une super occasion qui nous a été donnée, c'est que Thierry Mugler, qui prépare un spectacle qui s'appelle les Mugler Follies, travaille sur une nouvelle technique de tissu avec une fibre optique insérée dans la trame qui permet d'éclairer le vêtement directement. Et évidemment, on a tout de suite laissé Thierry Mugler lui-même qui nous l'a proposé tirer profit de cette nouvelle technologie pour l'utiliser dans notre film. Un peu un challenge, savoir comment allait réagir la fibre optique, est-ce que ça allait, est-ce qu'on allait pouvoir la coudre, l'appliquer à la machine, qu'est-ce qui se passe quand on la coupe, qu'est-ce qui se passe que... Donc on a eu, c'était un peu l'inconnu, donc effectivement, c'est pour ça qu'heureusement qu'on a eu un peu de temps. On s'est un peu lancé là-dedans sans trop savoir si on y arriverait finalement, mais chaque geste habituel qu'on a quand on manipule le tissu n'était pas pareil, parce que la fibre optique, si on la coupe, pas la couper n'importe comment, ça s'effiloche très vite, c'était des problèmes qui n'étaient pas insurmontables, mais au final. Alexandrina, I don't think I'd ever done anything like that. And you know, and just speaking with her couple of days before and just explained to her how it was very different from a photo shoot and how she had to move and evoke an emotion right through and not have just these little tiny pictures that have to sew together because film is so different. Mm-hmm. But all those things, not knowing if you're really going to get there, but leaving it open for those little magical moments to happen. Mm-hmm. And for me, that's when, I mean, I love to be on set, you know, I'm really excited about being on set and bringing all these elements together, people that don't know each other, and then just to see what you have. It's like bringing in ingredients and to see what happens. So for that, I mean, that's what I think makes the whole process and makes the end result feel alive. Mm-hmm. And without that, I think it's too controlled, and it's, you know, I've got this hole, needs to fit in this, you know, and it's like building a house, and you know exactly what it's going to look like. But without people in the house, there's no emotion. Mm-hmm.